Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre nouveau vlog. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour vous donner quelques petites news, des news notamment que vous avez pu apercevoir d'ores et déjà. Je vais entamer sur le premier sujet parce que j'ai pas beaucoup masse de temps. Hein. WizGamer, bah merci les gars, voilà, j'ai appris grâce à vous, abonnés, tout simplement, que j'étais numéro 2 du top graine des champions sur 10. Et bah ça me fait franchement kiffer, ça me fait vraiment plaisir. Notamment, c'est vrai que la chaîne IRG a eu un certain un succès, on peut pas parler non plus de buzz, machin, mais à notre niveau, on a eu une croissance de chiffres, une croissance de vues, une croissance d'abonnés massive d'ailleurs, puisque vous avez été près de 3000 à nous retrouver depuis ce dernier mois. Et 3000, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc voilà, ce feu ne fonctionne pas. Très bien. Parfait. Donc voilà, vous êtes 3000 et donc depuis un mois, c'est vrai que je vous donne que du let's play. Du let's play sur différents jeux. D'ailleurs, c'est un de nos contenus phares sur IRG. Voilà, on a du let's play sur City Skyline, sur SWAT 4, sur du Battlefield, sur du COD. On a de tout. Vraiment, c'est un peu la force d'IRG, c'est qu'on touche à tout. Et vraiment, on essaye de vous apporter un maximum de choses. Alors, faut savoir également qu'il y a la police devant sur le passage piéton. Si me voit enregistrer et vous parler, je crois qu'il va me coffrer. Il va me coller sur le capot à la Battlefield Hardline. Ah, t'y bouge pas. Voilà. Donc, non, il est au téléphone en plus. Bravo la police. Hein. Bref, on s'en fout. Donc voilà, merci à vous déjà pour ça. Et donc, j'en étais aussi au contenu. On ne vous propose pas forcément que du let's play sur Unreal Game. On vous propose également des force level. Force level, c'est quoi? On va se calmer la voiture. Le force level, c'est quoi? C'est ma voiture qui sonne parce que mon sac est trop lourd sur le siège passager. Désolé. En fait, c'est tout simplement, je vous présente les premières minutes ou le premier niveau d'un jeu vidéo sur console, sur PC. Et à partir de là, ça permet de vous faire votre propre avis tout en ayant le mien. Moi qui a clavier et souris, manette ou manette en main, voilà. Tout simplement, je vous présente un jeu que je découvre en même temps que vous. Notamment, là, je viens d'enregistrer Killing Floor 2. Voilà, que j'ai reçu en version presse. Voilà, merci Tripwire Entertainment d'ailleurs, si vous regardez ce message. Donc ils me l'ont envoyé en version presse. Là je vous ai enregistré le force level, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Faut savoir également que vous aurez du gameplay sur la chaîne. Alors un gameplay, ça se manifeste suite à un force level pour ceux qui veulent en voir un petit peu plus. Donc j'ai pas précisé, mais le force level, voilà, c'est une sorte de pas de test également, mais une vidéo dans une idée d'émission, vraiment avec plusieurs caméras, etc. Un truc un peu léché, avec un aspect un peu plus journalistique, plus sérieux. Voilà. Donc suite à ça, en fait, vous aurez un épisode gameplay ou plusieurs épisodes gameplay, hein, suivant les besoins, etc. Pour savoir si ce jeu vraiment vous correspond, si vous avez envie un peu d'en voir plus, tout simplement. Donc ça permet tout simplement ça, en fait, les épisodes gameplay sur IRG suite à des force level. Ou alors tout simplement, je vous apporte du gameplay suite à une partie cool que j'ai envie de faire tout seul comme un con, ou avec des amis, voilà, ou avec Michou, machin, qui fait partie de mes amis. Mais voilà, j'ai envie par exemple de tourner une vidéo qui ne rentre dans aucune catégorie, elle sera dans gameplay. Voilà, massivement c'est comme ça. Après on a 2-3 petits projets également sur Unreal Game, notamment on avait Unreal Apps, voilà, c'était Unreal Game mais version tablette et mobile. Ça a été mis actuellement en stand-by, voilà, je l'annonce officiellement parce qu'on n'a pas eu les résultats vraiment qu'on attendait sur ce projet. Il y a eu beaucoup d'investissements de temps, beaucoup d'investissements financiers aussi, et malheureusement ce projet n'a pas été à la hauteur de nos espérances pour le moment, et nous préférerons du coup nous focaliser sur Unreal Game en ce moment, surtout vu la croissance. Donc effectivement il n'y a pas que des let's play de City Skyline, encore une fois il y a de tout, et je préfère vraiment le dire parce que c'est City Skyline, c'est franchement le jeu qui nous a permis d'avoir une croissance d'abonnés et donc de nous retrouver sur WizGamer aujourd'hui. Donc merci encore à vous d'ailleurs les gars de WizGamer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je te mets à faire une petite précision sur les 3000 nouvelles personnes, parce que 3000 c'est pas rien, 3000 c'est important pour le projet, c'est important pour moi, ça me touche vraiment. Là on est à l'aube des 9000 abonnés et franchement c'est super cool.
Donc je voulais faire une petite mise à jour par rapport au contenu qu'on vous propose, puisque sur WizGamer nous avons été catégorisés de let's player pur et dur. Alors qu'en fait, bon, c'est vrai que ce dernier mois on vous a mis beaucoup de let's play, c'est aussi dû à un manque d'actualité jeux vidéo, hein, vidéo ludique tout simplement. C'est vrai que bon, on a eu Battlefield, etc. qui nous ont forcé à traiter un peu le sujet, mais du coup voilà, en gros il y a la police derrière, pour ça je fais attention, il y a des flics partout aujourd'hui, je crois qu'ils me cherchent. Voilà, donc du coup c'est vrai que il fallait vraiment clarifier aussi ce petit contenu qu'on vous fournit au quotidien sur Unreal Game. Voilà, tout simplement, je pense que pour la 10 000 vers 9500 abonnés, je vais lancer une... Bah tiens, justement, j'ai bien fait, hein, puisque le mec vient de se faire arrêter derrière. Voilà, tout va bien. Et voilà, c'était ça aussi. On vous fait du LCPDFR, mais en vrai, ici. Voilà, on est comme ça, nous. D'ailleurs, LCPDFR que je vais réinstaller, pour info, pour continuer la série LCPDFR, gendarme, etc., simulation GTA 4. Voilà, après j'ai encore plein de choses sous le coude, mais je vous en parlerai un peu plus tard, du GTA 5, d'Uncharted 2. SWAT 4 a débarqué, j'ai vu qu'il avait vraiment plu, donc c'est plutôt cool et je vous remercie. Et puis je vous donne prochainement d'autres infos. Attendez-vous à voir le first level de Killing Floor très rapidement. Et je vous dis à bientôt les amis, allez ciao.